Alors, je crois véritablement que c'est un forum qui est arrivé à point nommé. Un moment où aujourd'hui, il est vraiment question de relance de l'économie et de l'investissement. Et PME investissement, c'est vraiment la panacée. Si on veut vraiment qu'il y ait de l'investissement, ça passera par la PME. Et aujourd'hui, on est très content que ce forum ait beaucoup de succès, d'abord par le nombre de participants. On est presque à 500 entreprises qui viennent de toutes les régions du Maroc et qui participent à cet événement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette thématique est vraiment importante pour tout le monde. Alors aujourd'hui, un de nos messages aujourd'hui, en tant que Banque Populaire qui est présente dans les régions, c'est se dire il faut qu'on dépasse un peu cette relation qui est très basée aujourd'hui sur le transactionnel entre la banque et l'entreprise. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on fait le pompier. Il faut dépasser ça. Peut-être que la conjoncture aujourd'hui peut-être le justifie, mais on veut aller plus loin que ça. C'est-à-dire un véritable partenariat déclencheur d'investissement. Notre souhait aujourd'hui, c'est accompagner l'entreprise dans son plan de développement, dans les industries à financer de nouveaux outils de production, un nouvel outil de production, de nouvelles chaînes de production pour accroître leur chiffre d'affaires, pour recruter de nouveaux salariés, de l'emploi, créer de la richesse. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui notre ambition. Et aujourd'hui, ce qui m'est apparu, moi j'insiste depuis très longtemps dans ces forums, c'est qu'aujourd'hui, le discours entre les débats entre la PME et la banque est apaisé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a les mêmes intérêts, qui sont loin d'être contradictoires, au contraire, parce que nous avons intérêt d'accroître nos encours de crédit. Et pour pouvoir les accroître, il faut qu'on rencontre en face des projets. Et ce que nous attendons, ce que nous demandons aux entreprises, c'est des projets. Des projets pour pouvoir rencontrer les encours de financement, pour pouvoir augmenter le financement. Et aujourd'hui, franchement, les conditions sont là. On peut pas. Je crois que toutes les attentes aujourd'hui, on l'a vu lors de ce forum, en tout cas qui sont sur le service financier et spécialement bancaire, les solutions sont là. Hein, aujourd'hui, quand on parle de tension de trésorerie, bah, c'est vrai qu'il y a c'est un symptôme, mais au fond, c'est un problème de fonds propres. Et là, il y a des solutions. Le factoring est aussi un service financier qui peut soulager les tensions de trésorerie, parce qu'on achète des créances aux entreprises qui les permettent de se soulager. Donc, autant d'atouts aujourd'hui, autant de produits financiers importants et sophistiqués qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner l'entreprise. Un secteur bancaire très très solide à même d'accompagner l'entreprise dans ses ambitions. Donc on a parlé des entrepreneurs d'il y a 15 ans, 20 ans, ils n'avaient pas tous ces outils entre les mains. Aujourd'hui ils existent. Donc il faut y aller. Bien sûr, toutes les attentes ne seront pas, les solutions ne seront pas toutes cochées. On ne verra pas tous les cochées, mais il y a un certain nombre qui sont aujourd'hui cochées, qui existent. Peut-être qu'il va falloir mieux communiquer là-dessus. Il faudrait que ça descende au niveau des agents, des chargés d'affaires, etc. Il y a une autocritique à faire. On peut faire beaucoup mieux, on le sait. Mais un forum comme celui-ci est une des réponses et une possibilité de communiquer mieux sur les possibilités d'accompagnement. Et en tout cas, ce forum sera suivi d'autres forums au niveau des régions. Il ne faut pas oublier, un des objectifs, c'est aussi l'équilibre des territoires. Et il faudrait que l'investissement soit équilibré, homogène à tout le royaume. D'abord, pour tout ce qui est, parce qu'en préparant ce forum, on a beaucoup écouté les entreprises. Ça fait un certain nombre de semaines que nous préparons ce forum et on a écouté beaucoup les entreprises. Et vous allez voir que dans les semaines à venir, les quelques jours à venir, il y aura des nouvelles offres de financement qui seront lancées par le groupe Banque Populaire à destination de l'investissement. Donc ils vont répondre à beaucoup de remarques et d'attentes des entreprises. Deuxièmement, et plus globalement, parce que vous avez vu que lors de ce forum, il n'y avait pas que les banquiers et les entreprises, il y avait aussi tout l'écosystème, les ministres, exactement, et les ministères. Donc il y a des attentes qui ont dépassé le cadre que bancaire. Donc il y aura des recommandations qui seront faites et sur lesquelles on va travailler avec les pouvoirs publics pour pouvoir améliorer cet environnement qui a été aujourd'hui sollicité par les entreprises. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.